cette vidéo, on va voir comment monter des mailles italiennes. On doit prendre d'abord le fil de la pelote et le tirer environ là, 3 fois la largeur de notre travail désiré. Et on fait un nœud coulant. En passant 2 tours autour du pouce, celle de derrière par-dessus et l'autre par-dessus le pouce au complet. Et on insère une aiguille dans le nœud coulant. On a besoin d'une seule aiguille pour faire les mailles italiennes. Alors, le fil est tiré de la pelote, on le prend dans notre main gauche, comme ça, et on passe le pouce par-dessous. Ensuite, avec l'aiguille, on va chercher le fil de gauche par-dessous, on tricote et on ramène la laine sur l'aiguille. Et avec le pouce, on tire. Et on recommence. En dessous, le fil de gauche, on tricote et on ramène la laine sur l'aiguille, comme ceci. Si on doit laisser notre travail et qu'on veut reprendre, alors c'est facile, on prend la laine dans notre main, le pouce par-dessous et on continue. Jusqu'au nombre de mailles désirées. C'est la façon de monter les mailles à l'italienne. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!